te dire. Pour moi, tous ces aliens, c'est forcément des pédés. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous défoncer la rondelle, tu vois ce que je veux dire? Ils débarquent sur Terre pour maltraiter les humains et te la foutent bien profond dans le cul. Je me trompe? Est-ce que tu refuses d'y croire parce que tu penses que c'est pas possible ou alors c'est parce que t'es pas capable de concevoir avec ta toute petite cervelle? Pardon. Dis donc, j'y avais pas pensé, c'est peut-être ma petite cervelle qui... Ah oui, qui m'empêche de croire que c'est une botte des aliens qui me revient pour que la mec porte. Écoute-moi, écoute-moi, regarde-moi, je te parle, regarde-moi. Je suis sûr que tu déconnes. Mais t'es un tout petit poisson. Petit, petit, petit. Et moi, je suis un requin. Fortune personnelle, nombre de victimes, tu fais pas le poids. Je suis la menace permanente, la menace invisible qui t'attend au tournant. Malheureusement, quand tu réalises que je suis là, c'est déjà trop tard. Je te chope et t'es foutu. Comme cette pute au début des dents de la mer. Bon. Là, il faut quand même que je t'explique, je suis pas la pute. Je suis Rushheider. On sait tous comment le requin finit quand il emmerde Rushheider. Il le fait exploser en pleine mer. Il le fait exploser ce fumier. Écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre de qui tu es. De ce que tu possèdes. Du nombre de mecs que t'as liquidé.
sais que j'ai pas la moindre idée de comment ça se passe, ces enlèvements. Ça me dépasse, alors... C'est vrai que quand ils t'embarquent dans leur vaisseau spatial, c'est... Ces tordus s'amusent à tripoter la prostate et le côlon. Ils trempent dedans. Oui. Et ils font des recherches poussées. Mais pourquoi ils te la foutent dans le cul? Je comprends pas. Ils veulent en savoir plus sur l'espèce humaine, sur... Ah ouais, mais de là à te la mettre. La température du corps, par exemple, ou les parasites.